Bien sûr, les pâtes sont aussi bonnes en salade, surtout accompagnées, comme ici, de poulet au balsamique. Épluchez la gousse d'ail. À l'aide du plat, de la lame, d'un grand couteau, écrasez l'ail. Taillez la pomme en bâtonnets. On commence par tailler des tranches de 5 mm d'épaisseur, puis des bâtonnets de 5 mm. Taillez le gorgonzola en dés réguliers. L'ajoutez aux pommes. Dans une poêle chaude, je verse un filet d'huile d'olive. Je colore mon poulet 2 minutes dans l'huile chaude. Retournez les volailles. Baissez le feu. Ajoutez dans la poêle les pignons de pin, la gousse d'ail écrasée et les aromates. Laissez cuire sur feu doux 5 minutes. Ajoutez maintenant le vinaigre balsamique. Laissez le vinaigre réduire complètement. Lorsque le vinaigre est réduit, je sors les volailles. J'ajoute dans la poêle le bouillon. Je laisse réduire 3 à 4 minutes pour obtenir une consistance de sauce. Sortez les aromates. Selon la consistance, vous pouvez mixer la sauce ou la réserver telle qu'elle. Dans un grand volume d'eau bouillante que je sale, versez les farfales. Laissez cuire 10 minutes. Égouttez les pâtes. Versez les pâtes dans un grand plat rectangulaire. Ajoutez un filet d'huile d'olive. Laissez refroidir à température ambiante. Tranchez les volailles en fines lamelles. Ajoutez les lamelles de volaille dans les pommes. Dans le saladier contenant les pommes, le fromage et le poulet, j'ajoute les pâtes froides. Mélangez délicatement. Vérifiez l'assaisonnement. Ajoutez la sauce. Dressez la salade sur des assiettes. Servez cette salade bien fraîche. Vous pouvez aussi remplacer les pommes par des poires.